Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle méthode pour débloquer le verrouillage d'activation. Alors, on se retrouve juste après ce générique. Alors, le logiciel s'appelle Oiteki iSolver, vous allez le télécharger. Je mettrai le lien de l'application dans la description. Alors, dans un premier temps, vous devrez jailbreak votre iPhone. Donc, vous devez télécharger Rufus et l'ISO du Chacron. Je mettrai également le lien des applications dans la description. Alors, vous devrez avoir à votre disposition une clé USB d'au moins 1 giga. Alors, vous allez le brancher avec l'ordinateur. Ensuite, vous allez exécuter le logiciel Rufus, que je mettrai le lien dans la description. Et là, le logiciel va détecter votre clé USB. Le mien, c'est une clé de 8 Go. Donc, vous allez déplacer l'ISO du Chacron sur le logiciel Rufus. Et là, vous allez voir, vous allez appuyer sur « Démarrer ». Attention, cette procédure va complètement formater votre clé USB. Alors, vérifiez vos données avant d'entamer cette procédure. Vous allez appuyer sur OK. OK, une fois le processus terminé, vous allez fermer et redémarrer votre ordinateur et démarrer sur la clé USB. Alors, pour démarrer sur la clé USB, vous allez appuyer sur le bouton démarrer et vous allez tapoter sur la touche F9. Cela diffère des ordinateurs. Alors, veuillez rechercher le boot menu de votre ordinateur. Alors, vous allez voir la page d'accueil du Chacron. Vous appuyez sur entrée. Ensuite, vous allez appuyer sur Start, qui est juste là. Ensuite, sur Next. Votre téléphone va se redémarrer et rentrer en mode récupération. Et voilà. Ensuite, vous allez lire les informations indiquées à l'écran, c'est-à-dire vous allez appuyer dans un premier temps les deux boutons. Vous allez appuyer le bouton allumage et le bouton milieu en même temps pendant 4 secondes. Ensuite, vous allez relâcher le bouton d'allumage et vous allez rester fixé sur le bouton home pendant 10 secondes. Alors, vous allez appuyer sur Start, vous appuyez les deux boutons pendant 4 secondes. Ensuite, vous relâchez le bouton d'allumage, vous restez fixé sur le bouton Home pendant 10 secondes. Et vous relâchez. Le téléphone va se redémarrer ou les composants du jailbreak seront installés sur l'iPhone. Et voilà, vous allez voir All Done. Cela signifie que l'appareil a été bien jailbreak. Alors, vous allez redémarrer votre ordinateur et exécuter l'application iSolver. Ok, une fois que vous aviez bien effectué le jailbreak, vous allez exécuter le logiciel iSolver
Le logiciel permet de débloquer pas mal de problèmes d'iOS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de contourner le verrouillage d'activation. Alors, nous allons appuyer sur verrouillage d'activation lock, juste là. Là, vous allez voir lancer le contournement. Vous allez appuyer sur lancer le contournement. Vous allez appuyer sur OK. Vous allez patienter la fin du processus. Et votre téléphone va se rallumer. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Voilà, le téléphone a redémarré au moins 5 fois. Cela a bien marché. Voilà, contournement réussi. Vous allez voir le logo du check-run, ce qui signifie que ça a été bien jailbreak. Alors, vous allez voir que ça a bien été bypass. On va voir les informations. C'est un iPhone 6 Plus d'iOS 12.5.6. Voilà. Donc, le logiciel est très efficace. Je vous le recommande. Téléchargez immédiatement le logiciel Wojtecki iSolver. Je le mettrai dans la description. Et on se dit ciao pour de nouvelles vidéos.